Oh, les courses, ça commence à me saouler, sérieux, j'en peux plus. Ouais, ça me saoule aussi, là. Je suis fatigué. J'ai carrément failli m'endormir en classe, là, sérieusement. Vous aussi, vous avez failli dormir, non? Ouais. J'ai même fermé les yeux un petit temps. Ouais, mais en fait, le cours, il était tellement ennuyant que... Bah, ça c'était vraiment saoulant, quoi. Vraiment, j'ai failli dormir de ouf. Bon, allez, c'est... Oh, non, non. T'es qui, toi, là? Moi, je m'appelle Megman. Enchanté de faire ma connaissance. Salut. C'est pas ça qu'on dit normalement. Salut, Megman. Mais c'est pareil au même. C'est moi qui gère le cirque de Color City. Le cirque de Color City? Attends. Et on doit faire quoi de cette information? Nous, on est fatigués. On va rentrer. On a envie de jouer aux jeux vidéo. Des trucs comme ça. Attendez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, le cirque ne marche pas trop en ce moment. Et du coup, j'invente de nouveaux jeux. Et j'en ai trouvé un en vous entendant parler. En nous entendant parler, on parle de dormir là. On a envie d'aller dormir. Donc, comme je t'ai dit, je préfère. Attends. Je vous propose un jeu qui s'appelle Essayez de ne pas dormir. Ah, nickel, parfait. C'est exactement. Allez, salut, moi mon gars. Attendez, le gagnant gagne 100 000 euros. Attends, Kevin, lâche-le, jeu. Attends, t'as dit quoi? 100 000 euros? 100 000 euros cash. Attends, si on ne dort pas, on a juste à pas dormir et on arrive à avoir les 100 000 euros, c'est ça? Ouais, juste, pas seulement. Je vous mettrai des petits défis. Ok. En vrai, vous voulez me suivre? En vrai, moi je suis chaud. Vous êtes chaud, vous les gars? Attends, écoute-moi bien, toi. Si tu nous arnaques et qu'à la fin tu nous donnes pas 100 000 balles, regarde, on est 5, on te pull up! Attendez une seconde, je crois que Tonio s'est réveillé. Tonio, réveille-toi! Ouais, oui. Il faut pas dormir maintenant, il y a des 100 000 euros, sérieusement! Ouais, pas maintenant. T'en dors pas parce que le jeu va bientôt commencer, suivez-moi! Allez, c'est parti, on le suit! Avancez! On peut pas s'arrêter un peu et dormir un petit peu avant de commencer le défi ou pas? Tu veux perdre tes 100 000 euros déjà? Non, ça a déjà commencé là, on peut déjà. Non, c'est bon. Maintenant que vous êtes dans ma demeure, ça, le jeu a commencé! Alors préparez-vous, on va bien s'amuser! Ok, d'accord, bon. Vous êtes tous fatigués là ici? J'ai somnolé. Après la journée d'école qu'on a eue, c'est normal d'être fatigué après. Ouais, je suis totalement d'accord. T'es pas fatigué toi? Non, moi je suis pas fatigué. Rejoignez-moi. Le caca, ça le réveille. Bon, montre-nous du coup. Ah, mais attends, c'est quoi cet endroit là? C'est ma demeure. Essayez de ne pas dormir. Wow, pas mal. C'est stylé en plus. C'est bien coloré. J'aime bien. Ouais, j'ai cook plusieurs épreuves pour vous. Pour vous obliger à vous endormir. Nous obliger à vous amuser tous ensemble. Moi, je ne dormirai pas. Je ne dormirai pas. C'est une promesse. Ouais, non plus. Je ne dormirai pas. Gagné. Très bien. On va commencer fort alors. Ouais. J'espère que vous êtes prêts pour une petite séance de sport. Une séance de sport? Oh non. Le sport, ça va nous fatiguer. Oh, il est fait exprès. C'est le but du truc. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ici? Un peu de sport, quoi. Et si on commençait par un petit échauffement? Faisez-moi quelques petites pompes. Je sais pas, moi, genre 50 pompes. Des pompes? Ok, ah, des allez, 2, 3, okay. Et 4, okay. Et 5, oh, et 6, 7, attention, hein, ne vous fatiguez pas trop vite. Attends, j'ai déjà envie de dormir, là, un peu. Moi, je fais les squats. On peut pas aller dans l'eau direct, un peu, là. Je pense que ça peut me réveiller un petit peu. T'as envie de te baigner? Vas-y, va te baigner. Tu feras plusieurs longueurs, hein, des va-et-vient. Plusieurs longueurs. Oh, attends, c'est vrai que là c'est cool, ça fait du bien. Ça me réveille un petit peu. Il faudrait que j'arrive à faire toutes les stratégies pour rester réveillé un max. Du coup, oula. Vas-y, continue, hein, des allers-retours, hein, t'arrêtes pas. C'est vrai, je commence déjà à être fatigué. J'ai pas envie de continuer. Non, il faut pas que je m'endors, surtout pas dans l'eau en plus. Allez, Gaby, vas-y, fais-le. Allez, c'est bon. Attention, je veux pas entendre de ronflement. Non, y'a pas de. Allez, Gaby, allez. Attends, du coup, il faut que je reste un petit peu là. Je suis fatigué. On peut pas. Une petite pause. T'as envie de dormir, Gaby? Tu veux que je t'emmène dans ton lit? Oui, s'il te plaît, amène-moi dans mon lit, s'il te plaît. Tu vas aller dans le lit, allez, viens. On va dans le lit. Attends, allez, venez. Tonio, il arrive quoi?
Je veux pas dormir. Attention, Tonio, t'as failli être éliminé. Gabby, je tiens la route. Ouais. Je crois qu'Elsa veut te dire un truc. Oui. Ah ouais, vas-y, dis-moi, Elsa, qu'est-ce que tu voulais me dire? Est-ce que t'as pas envie de faire un petit dodo? Un petit dodo, c'est vrai que oui, hein. Avec c'est vrai moi. Que. Ah, moi, je te propose, il y a le ring là-bas, c'est à l'air grave agréable pour faire dodo. Ah ouais, le ring, il a l'air vraiment super agréable pour faire dodo. Ne tombe pas dans les pièces. Il faut pas. Ne tombe pas. Merci, Ducob. Merci, tu m'as réveillé. C'est bon, je suis de retour. Ok. Il faut pas 100 000 balles. C'est bon, 100 000 balles. 100 000 balles. Mais non, c'est... moi, je te gèle depuis le caca dans le pif. Hein. Non, c'est vrai. Elsa, t'as essayé de nous faire éliminer là. Non, c'est pas vrai. Un peu quand même. Allez, venez. Vous résistez plutôt bien. Alors, venez pour le prochain défi. Tu vas frapper sur ce punching ball à peu près 1000 fois. Mille fois. Mille fois, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis pas fatigué. 2 hours later. 999 1000. C'est bon, j'ai fait les 1000. Mille. Bien joué. Vous avez tous réussi ce défi. Non, du cop. Faut pas dormir. Faut pas dormir. C'est vrai que t'as bien fait de le mettre dans l'eau. Il essaie de me tuer là. Attends, mais carrément, il a fait nuit là. Attends, il s'est. Kevin, pas dormir. Kevin, tu fais quoi là? Je fais caca pour pas dormir. Caca pour. Il est fou celui-là. Bon, plaquage. Dis-moi, il fait nuit maintenant. Il est temps d'aller dormir. Je vais vous conduire à vos lits. Ah, trop cool. Allez, on va dormir un peu là, c'est cool. Mais n'oubliez pas, si vous vous endormez, les 100 000, c'est ciao. Ah ouais, trop cool. Allez, les 100 000. Allez, moi je vais dormir. Allez, je veux dormir là directement. Si, je veux dormir. J'ai envie de dormir. T'es sûr de vouloir dormir? Non. C'est vrai, il y a 100 000 dollars. Il faut que je me réveille pour les 100 000 dollars. Non, il faut mettez pas dormir. Mettez-vous chacun dans vos lits, mes amis. Et amusez-vous bien. Ouais. Il est quand même super malicieux, celui-là. Hein. Il est malicieux de délier tout pour qu'on dorme. C'est n'importe quoi. Attendez, moi j'ai une idée. Je pense que il faudrait qu'on s'entraide. Et il faudrait qu'on fasse des trucs qui nous maintiennent réveillés. Genre par exemple, là, Tonio, je te conseille surtout pas de rester là. Hein. Mais c'est trop confortable. Hein. Tu vois pas. Debout. Debout, Tonio. Elsa, vous savez quoi? Vas-y, Kevin, essaye de nous faire rigoler. Vas-y. C'est impossible. En fait, je fais caca le matin. Je vais faire la batterie. J'ai détruit les draps. Et je suis après, ma maman, elle est pas contente. Pas mal. C'est tellement confortable. Je vais peut-être m'endormir. Non, je suis fatigué. Je veux quoi là? Fais la musique pour qu'il se réveille. Je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on peut faire pour qu'on se réveille. Mettez-moi des claques s'il vous plaît. Allez, mais arrêtez, c'est bon, je suis réveillé là, ça y est. C'est bon. C'est bon, je suis réveillé. Arrêtez, c'est bon. Moi je continue. Non, c'est bon, s'il te plaît. Kevin, si tu te rendors encore une fois, j'appelle ton pire cauchemar. J'appelle Olivier. Non, pas Olivier. Non, ramène toi, pas Olivier. Tu veux pas que j'appelle? Bah, tu t'endors pas. Ok, non, c'est bon, je m'endors pas. Non, désolé. Quoi? Ça se passe bien? Ouais, ça se passe super bien, oui. Vous amusez bien dans cette salle. J'ai vu que vous avez utilisé le micro, hein. Vous voulez que je vous excite, que je vous chante quelque chose d'incroyable? Alors que tu m'excites, que tu chantes, toi. Ouais, vas-y. Dodo, l'enfant dort. Pas mal. L'enfant dormira bien. Non, bouge. Tout le monde se réveille. Allez, les effectifs. J'ai failli vous avoir sur ce coup-là. Ouais, c'est vrai que t'as failli nous avoir. Bon, montre-nous directement le prochain truc là, parce que là, on va pas rester une minute de plus ici. Hein. Très bien, je vais vous montrer. Allez juste en face à la salle des théâtres. Moi, je vais chercher votre invité. Ok, pas de soucis. Allez, c'est parti, glissade. Je me demande bien pourquoi il nous a demandé d'aller ici. Hein. Vous trouvez pas? Ouais, ça rend bizarre. Il y a encore des lits. Bizarre. Je me demande bien pourquoi on doit aller de là. Bon, il faut qu'on trouve un moyen de se réveiller en attendant qu'il se passe quelque chose là, parce que pour moi il se passe rien. Il s'est fait sûrement exprès qu'il se passe rien là. Tu veux que je te réveille? Vas-y, réveille-moi. Yeah, non, pas du caca, non. Non, vous êtes pas du caca.
Bien le bonjour, mes chers amis. Oh non, oh là là. Oh non, pas le vendeur de masques. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas faire quoi, le vendeur de masques, là? On m'a invité pour vous raconter une petite anecdote. Et vu qu'on m'a promis un masque en échange, j'ai accepté. Oh, barbon, ça fout. Si, déjà sous l'an, là. Bon, laissez-moi juste le temps de monter sur scène. Vas-y, monte sur scène. Oh là là. Allez, ça me prendra qu'une seule seconde. Oh, une seule seconde de 1000 ans, ouais, c'est ça. C'est super long, là. Sérieux? Oh là 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 là, t'as pas les petites pièces? Quoi? Attends, mais je suis avec son masque d'orange dans son dos, là. Les gars, Olivier, qu'est-ce que tu fais ici, Olivier? Mais je m'appelle pas Olivier, je suis du Cobu. C'est du Cobu? Mais quoi? Attends, je me nettoie les yeux vite fait, là. Attends, c'est pas possible, il faut vraiment que je me nettoie les yeux, c'est n'importe quoi. Je pense que je dois être sûrement fatigué, c'est pas possible. Olivier, mais attends, quoi? Un zombie? Mais quoi? Bah non, je suis en train de devenir fou. Qu'est-ce que tu racontes? Attends, je suis en train de devenir fou! C'est bête ou quoi? Attendez, quoi? Mais non, mais c'est Kevin! C'est pas Kevin, t'es un zombie! Mais c'est Kevin! Non, c'est pas Kevin! Mais c'est Kevin! Elsa, tu vois qui là en face de moi? Tu vois qui? Bah, c'est Kevin! Quoi? Bah voilà! Regarde! Il t'arrive quoi, Kevin? Elsa, prends ça dans le PF! Bon, je vais faire comme si de rien n'était. Je crois que ça doit être sûrement la fatigue. Votre attention, s'il vous plaît. Je vais vous raconter mon anecdote. Ouais, raconte-la plus vite, là, s'il te plaît. C'est une superbe histoire, je suis sûr que vous allez l'apprécier. D'accord. Celui-ci raconte l'histoire d'un humain qui habitait dans la forêt. Mais pourquoi c'est devenu un poulet? Et qui a été élevé en tant qu'être. Je vais m'endormir. Non, il faut surtout pas que je m'endorme. Destinée. Bon, je vais péter un câble. Je sais ce que je vais faire. C'était un jeune homme rempli de courage. Hop là. Il était très courageux. Et il promit. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, Yemi? Pourquoi tu me coupes? Parce que j'ai failli m'endormir là. Il fallait que je me réveille absolument. Il faut encore que je trouve autre chose. Il faut que je trouve autre chose pour me réveiller là. Utilise les instruments, vas-y. Les instruments. Fais tout péter. Ok, allez, je fais un peu de musique là. Vous avez dit faire tout péter? Non. Je suis en mode autopilote là. Qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends plus rien. Il va pas bien là. Qu'est-ce que tu vas faire tout péter? Lâche-moi ça, du cobu. Allez, c'est pour nous réveiller. Moi aussi. Va réveiller un peu. Non, doucement. Vous allez détruire tout le monde entier là. Vous êtes sûr de ne pas vouloir que j'écoute mon histoire? Raconte les origines d'un personnage vraiment intéressant. Non, en fait, non, mais vraiment, je te jure qu'on écoutera une prochaine fois. Vous êtes d'accord, tout le monde, hein? Une prochaine fois, en vrai. Une prochaine fois. Je ne vais pas insister. Ouais, trop cool. Allez. Très bien, à la prochaine, mes chers amis. Il va plus vite à partir qu'à revenir. Ouais, parce qu'il voulait raconter son histoire de je sais pas quoi là. Bon, il est où là, l'autre là? Ah, il est là! Alors, vous avez aimé les anecdotes du vendeur de masques? Ouais, mais pourquoi t'es tout droit comme ça là? Pourquoi c'est un cycle? Ouais, pourquoi tu. C'est Sigman, c'est pas Mugman là! Je suis bien comme ça là. Allez, vous me suivez ou quoi? Allez, vas-y, je te suis. Attends, mais il glisse sur le sol! Mais ça doit être le sommeil, on doit être sûrement fatigué. On doit être sûrement. Vous êtes devenu fou ou quoi? Je vais vous emmener au prochain défi, moi je vous le dis. Allez, hop! Bon, allez, réveille-toi, on va passer aux prochaines épreuves. Vous allez adoré, moi je le dis. C'est quoi la prochaine épreuve là? Par contre, je commence vraiment à quasiment m'évanouir là. C'est n'importe quoi. Ça va vous remettre d'aplomb. Je vais vous injecter des trucs. Réveille-toi, Kevin. T'as dit quoi? Ça va vous remettre d'aplomb. Je vais vous injecter plein de trucs pour vous endormir. Vous allez voir, vous allez faire un sommeil incroyable. Attends, mais ça a l'air de faire super flipper là. C'est quoi tout ça? On dirait une expérience d'Albert là, sérieusement. Mais non, t'inquiète pas. C'est juste pour te faire dodo. Assieds-toi sur ce siège. Faire dodo? Je ne ferai pas dodo! Les gars, je ne ferai pas dodo! Vas-y, fais ce que t'as à faire! Vas-y, fais ce que t'as à faire! Bonne chance! Tu penses pouvoir résister à ma grosse seringue? Une seringue! Non! J'ai pas envie! Ne t'inquiète pas! C'est juste un petit somnifère, ça va te faire dodo! C'est plus fort que ça, Kimi! 100 000 $! Tu peux le faire! Attention, je pique! Attends, c'est un somnifère pour dormir, ça c'est pas mal, hein! C'est pas mal dans pour dormir! Il faut que je tienne! Non, c'est bon, je tiens, y'a pas de soucis, les amis! Les amis, ça va nickel! Je suis pas fatigué! Arrête avec ton caca, toi! C'est bon, je suis fatigué là! On peut peut-être. Debout!
cool. On peut peut-être dormir un peu là. Non, il tanque le bourre, il tanque. Merci. Ok, j'arrive à survivre, C'est quoi le prochain, T'es vraiment tenace. Entre dans cette salle. Oui, on s'en va, je vais rentrer dans cette salle. C'est bon. Il faut faire, c'est quoi là? Coucou, ça va? Les amis, comment, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Ça me fait peur ici là. Résiste ou résiste. Bonne chance à toi, résiste à ce game. Non, je suis obligé de dormir là. Je suis obligé de dormir. Gémi, réveille-toi. Je vais dormir là, les amis. Je suis désolé. Je pourrais pas continuer les 100 000 euros. Je suis vraiment désolé, Kevin. Oublie pas les soupers, Mia. Je vais essayer de tenir 100 000 euros. Le coup. Je vais essayer de tenir le coup. Ok. Sautez-moi tous dessus, s'il vous plaît. Ça fait mal. Ok, c'est bon. Je vais mieux. Ah, ok. Bon. T'es vraiment tenace, Gémi. Ouais, je sais, mais là, ça, je commence vraiment à être super fatigué. Bon, Kevin, tu fais quoi ici là? Moi, je veux faire celle-là, moi. Moi, j'ai envie de faire celle-là, moi. Tu veux tester cette machine à tes risques et périls? Je vais l'allumer, attends, et bam. Kevin je crois qu'il va mourir, là, non? Kevin, stop la machine. Bah, pour le coup, ça va la réveiller, non? Ça t'a réveillé? C'est un siège qui fait faire des massages, c'est bon pour le sommeil. Ça m'a réveillé. Alors, y a pas un truc pour réveiller ici là? Un truc pour boire là, un peu là? Non, il y a rien, y a que des gros produits pour vous faire dormir. Sérieux? Bon, on va passer à la suite, c'est bon. Venez, c'est juste à côté, vous allez apprécier. J'ai préparé un lit spécialement pour vous. Oh, un lit! Parfait! Il faut aller dessus là directement! Parfait! Faites attention aux recommandations. Danger, lit extrêmement doux, risque de dodo élevé, ne pas tomber. Oh, attends, t'es en train de me dire qu'il faut qu'on tienne là-dessus là, et il faut pas. Attends, si je touche avec les mains un peu là. Exactement, j'espère que vous aimez les tractions. Oh, j'ai déjà envie de dormir. Attends, mais Gémi, j'avais gardé pour moi, mais. Hop là. Attends. Ouais, comment ça J'avais gardé pour moi, c'est une potion qui peut réveiller, d'accord? Mais moi, je fais ça, balance. C'est de la triche. Attends, je suis trompée, c'est une potion qui endort. Je m'en fais exprès. C'est pour Allez, Rupine. Effectivement, c'est une potion de somnifère. Non, j'ai pas dormi. C'est bon, allez, hop, je me réveille, je suis au bac. Allez, hop là, nickel. Attends, dans le bac. Attendez une seconde. J'ai envie de dormir, voilà. Je le dis. Gémi, debout. Ok, c'est bon, je suis back. Allez, faut que vous tenez en traction. Hop là, voilà. Là, je suis bien, là, voilà, en traction. Voilà. Regardez, il y a déjà une victime. Merci, Dargimi. Dargimi, il est en train de me sauver la vie, là. Dargimi, il est en train de me super sauver. Ah ouais, d'accord. Ouais, attends, Dargimi me sauve la vie de fou, là. Dargimi, merci. Dargimi, c'est vraiment le goat. Je crois qu'il n'y a pas d'Arkelia, par contre, parce que ça fait nage, là-bas. Elsa, t'es en train de dormir, Elsa! Non! Elsa est éliminée. Quoi? Attention à ne pas tomber. Je vais lâcher. Il faut tenir combien de temps? Tu lâches pas. Il faut tenir combien de temps? C'est bientôt fini. Il faut tenir combien de temps encore? 10 petites secondes. 10 secondes. Allez, tiens bon. Allez, je vais lâcher, Kevin, là, je vais lâcher. Non, tu lâches pas, tu tiens. Kevin, je vais lâcher, je te dis. J'ai esquivé le lit, tranquille. Oh, parfait, nickel. Attends, mais c'est bon, ça fait 10 secondes, là. C'est bon, c'est terminé. Je voulais juste rajouter quelques secondes, ça me faisait marrer. Ouais, d'accord, lui. C'est pas cool. On a de chance, je suis trop à côté du lit. Vas-y, dors. Non. Ah bah voilà, nickel. Ah, il s'est endormi direct. Attends, il faut peut-être le réveiller. Regarde s'il n'y a pas les 100 000 balles dans la poche. Non, il n'y a pas les 100 000 balles. Me fouillez pas, s'il vous plaît. Merci. Je vais vous emmener à un endroit incroyable pour le prochain défi. C'est un joli petit spa. Un spa? Ok, d'accord, pas de soucis. Allez, c'est parti, on y va. Par contre, Tonio et Elsa, ils ont été éliminés là.
Oh, bienvenue. C'est quoi ce délire? Je te présente la directrice de ce spa. C'est moi-même. Oh, elle est jolie, hein, c'est pas mal. Du coup, on est censé faire quoi ici, là? C'est quoi le truc? J'ai entendu dire... Ouh là là. Faut réaligner tous ces chakras, dis donc. Ah ouais, il faut réaligner tous les chakras, s'il vous plaît. Moi, je suis chaud pour aligner les chakras, ouais. J'ai entendu dire que vous avez fait beaucoup de sport aujourd'hui, donc je vous propose de pouvoir vous faire masser. Ah, trop cool. Oh, ouais. Un massage, c'est parfait, ça. Installez-vous, je m'occupe de vous. C'est parfait, ça. Un massage, nickel, un parfait, un massage. Au niveau des épaules, vous êtes vachement contracturé. Vous êtes quelqu'un d'anxieux, monsieur. Ouais, super anxieux de ouf. C'est quoi ce délire? Mais pourquoi c'est un... Kevin, miaou. Mais pourquoi t'es un chat, Kevin? Mais c'est pas un chat, miaou. C'est pas un chat. Attends, je comprends plus rien, je suis fatigué là. Je pense que c'est le moment de fermer un petit peu les yeux. Mais je vais pas dormir, promis. Je ne vais pas dormir. Bloup, bloup. Je ne vais pas dormir. Pas du tout. Il y avait les massages qui étaient vraiment super bien faits. Mais attends, mais voilà, vous aussi, vos petits bras. Je suis complètement... Par contre, vous avez pété, monsieur, ça sent mauvais. Bah ouais, ça trop bien, c'est la relaxation. Je vais partir de ce côté-ci, si ça vous dérange pas. T'as pété sur la masseuse? Bah ouais, c'est ma relaxée. Oh là 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 là. Mais t'es un fou de faire ça, Kevin. Je me sens partir. Recule de moi, sorcière. Cela faisait partie du processus. Sorcière. Ouais, c'était cool, mais t'as failli nous avoir, hein. Bon, c'est quoi la suite là? Et on passe direct à la suite là. Il faut que je me réveille là. La masseuse, vous verrez. Ok. Le salon de thé, je vous y accueille. Salut. Mais c'est moi. Attends, mais c'est... Ah, mais c'est Rouge. Oh, Gaby, ça fait longtemps. Wow, comment tu dates, mec? Franchement, je date de fou. T'as vu, je trouvais un petit travail, un petit taf et tout ici là. On m'a pris, t'as capté? Ouais, j'ai capté. Faut que tu dormes, hein, c'est ce que j'ai compris là. J'ai dit, si tu veux. Non, faut surtout pas que je dorme. Allez, assieds-toi. Si jamais le Gaby Rouge, c'est un clone, hein. C'est un clone de moi qui s'est échappé. Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est un clone de moi. Alors, tu veux ce thé? Ouais, balance le thé, ouais. Allez, bois-le. Ok. C'est un thé. Pas m'énerver là. Ok, attends, vas-y. C'est un thé d'un momie Ilong Yang. Un thé quoi? C'est pour détendre l'esprit. Un thé quoi? Camomille! Ah non! La camomille, c'est fait pour dormir! Non, je vais faire des tours de pièces. Si ça vous dérange pas, je fais des petits tours de pièces, ok? N'hésitez pas à continuer à faire votre truc. Il est bon de se tenir en forme. Je ne suis pas fatigué. Non, pas dormir. Je suis sous la table, y'a personne qui me voit, Je te vois clairement. Ok, bah c'est bon, je dors pas de toute façon. Bon. Si vous voulez, je vous offre un petit bonus. Si vous réussissez à répondre à ma question, je vous redonnerai un coup de jus. Ah ouais, réponds à la question, alors donne la question, la réponse. C'est quoi le nom de mon frère? Le nom de ton frère, je sais plus comment il... Mais c'est Cuphead. Ah, Cuphead, vas-y, ouais, c'est lui. Ah, bien joué, alors tenez. Je pète la porte. Ouais, là je suis bien. Messieurs, s'il vous plaît, votre attention. Nous vous attendons à l'étage pour une partie privée de yoga. Ok, une partie privée. D'accord. Allez, la partie privée de yoga, c'est parti. J'adore le yoga, vraiment, j'adore ça, le yoga. Chacun sur son tapis. Je fais du yoga là, je suis en train de faire du yoga. Attends, mais je suis en train de péter un câble là, qu'est-ce qui m'arrive? Allez hop là, bon gosse. Ok, vas-y, montre-nous du coup. Alors, je vais vous demander de vous mettre en position assise, prêt à méditer. Faites le vide dans votre esprit. Hop là. Hop là, sauvetage miraculeux. Merci mec. Ouais, sauvetage miraculeux là, carrément. Pourrez-vous arrêter de faire des choses comme ceci pendant mes cours? Ouais, en vrai, on a fini le cours. Parce que non, là, on n'a pas fini. La masseuse. D'accord, c'est bon. Expliquez-nous, vas-y. Alors, maintenant, vous allez faire un 3C. C'est super bien. Transformation Dark Emmy. Dark
calme-toi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu veux te transformer en plein jeu? Ah, excuse-moi de te déranger, le super vilain. Mais là, t'es en train de devenir complètement... Il n'y a pas de super vilain. Mais c'est Mugman. Mais pourquoi t'es vert, toi? Je comprends plus rien. C'est moi, Mugman. Qu'est-ce qui t'arrive, Gabi? Mugman, c'est pas Mugman, là, c'est le super vilain violent. Gabi, qu'est-ce qui t'arrive, là? Arrêtez, s'il vous plaît. Pouvez-vous arrêter cet individu qui n'a rien à faire ici? J'ai rien à faire ici. C'est bon, j'ai rien à faire ici. On passe au prochain truc là. C'est bon. Ouais, au prochain épreuve. Au revoir, madame la masseuse. Pourquoi du cobu? C'est Olivier. Mais c'est pas Olivier, c'est du cobu. Mais quoi, c'est Olivier? Ouais, je suis d'accord. Bon d'accord, t'as été à la salle toi. Mais attends, qu'est-ce qu'il raconte, bête quoi? J'ai dû avoir un truc sous les yeux, mais. Pourquoi t'essaies de m'attaquer, Gimmy? Mais t'étais le super vilain il y a 5 secondes! J'ai toujours été Mugman, le meilleur au monde! C'est quoi ce délire là? C'est quoi? Bon, allez, c'est bon, ça m'a saoulé. J'ai des hallucinations de beaucoup trop hard là. C'est quoi le prochain truc? Le prochain truc, c'est une course de cartes! Et vous allez aimer les bolides! Une course de cartes lit? Mais non, mais c'est des lits! C'est pas des cartes là! Mais c'est des lits! Vous allez voir, le circuit est incroyable! Et vous aurez 100 tours à faire! 100 tours? 100 tours? Tu le moques le moins! Non! C'est la dernière ligne droite! Le dernier défi! Le dernier à rester réveillé et gagner 100 000 euros! Ok! Allez, c'est parti! Je commence déjà à faire le tour! C'est parti! Moi, je vais commencer. Je vais gagner la course. Les 100 tours, ça me connaît. Je commence à mal conduire là. Qu'est-ce qui m'arrive? Je vois flou! Non, pas de caca! Non! Esquive! Hop là, esquive, nickel, parfait. Hop là, esquive. Allez, c'est parti! Je vais les faire, ces 100 tours, promis! One eternity later. Allez, il me reste encore plus qu'un seul tour à faire! Allez, je suis au 99! Du Kobe, il est en train de... Oh non, du Kobe, il est en train de dormir! Du Kobe, il a été éliminé! Kevin aussi a été éliminé! Il faut que j'arrive à aller à la fin! Et attention, ce que je vais passer la ligne d'arrivée! Et ouais! Gabi, t'es le dernier participant! J'ai gagné, c'est bon, c'est gagné là! Ouais, t'as gagné! Par contre, on va d'abord faire la petite interview de fin, tu vas me dire tes impressions que tu vas avoir! Dis-moi! Les impressions que je dois avoir! Ok, pas de problème! Ah oui, c'est pour l'émission, c'est important! J'ai besoin de savoir les sentiments que tu as éprouvés pendant l'épreuve! Ouais, d'accord, pas de soucis, y'a pas de soucis, je vais faire ça! Installe-toi sur ton sofa, juste en face! Allez, ça va, nickel. Installe-toi, je te donne plein d'argent après, d'accord. Mets-toi bien. Je suis bien. Donne-moi là. Alors, dis-moi, est-ce que t'as apprécié cette expérience et tout? Qu'est-ce que t'as dit? Dis-moi. Alors, qu'est-ce que t'as ressenti? Alors, moi, cette expérience, je l'ai appris en mode. Mimi. Bien joué, Mimi. Tu t'es très bien débrouillé. Sur tout ton argent. Hop là. Tu l'as bien mérité. Au revoir, Gimmy. Et bonne nuit.